des remèdes naturels pour réduire les cicatrices. En général, nous avons toutes, et tous, quelques cicatrices sur le corps que nous avons du mal à estomper ou à camoufler. Les plus communes restant celles dues à l'acné qui nous laisse malheureusement des marques sur le visage. Ces mêmes cicatrices, quelle que soit leur localisation sur notre corps, nous créent généralement des complexes, surtout si ces dernières sont grandes et irrégulières. C'est pour cette raison que les personnes atteintes cherchent sans cesse de nouveaux traitements pour tenter de les réduire au maximum. Une manière très simple et efficace de cacher les cicatrices du visage reste encore le maquillage. Surtout si les dites cicatrices ne sont pas très profondes. Nous vous conseillons pour camoufler une marque d'acné d'utiliser un correcteur qui couvrira et dissimulera parfaitement vos cicatrices. Pour les cicatrices présentes sur les autres parties du corps. Pour traiter les cicatrices sur le corps vaut mieux être prudent, en effet, ces cicatrices peuvent être causées par différents facteurs, que ce soit la chirurgie ou le vergeture qui apparaissent lorsque notre poids fluctue. Lorsqu'il s'agit de vergetures, il est très simple de les traiter puisqu'il existe différentes crèmes pouvant vous aider à en venir à bout. Mais lorsque ces cicatrices sont causées par d'anciennes blessures ou brûlures, alors le traitement devient beaucoup plus difficile et il faut généralement avoir recours à des soins beaucoup plus spécialisés devant être réalisés en clinique, car beaucoup de ces cicatrices requièrent, en effet, de la chirurgie esthétique. Des traitements naturels pour atténuer les cicatrices. Il est naturel de ne pas vouloir uniquement dissimuler les cicatrices, mais plutôt de les éliminer complètement d'une manière ou d'une autre. C'est pour cela que nous nous sommes donné la tâche de vous proposer aujourd'hui quelques traitements relativement efficaces. Les acides gras présents dans l'huile de coco sont de très puissants antioxydants qui peuvent vous aider à accélérer le processus de cicatrisation de la peau. De plus, il protège la peau et lui apporte plus de douceur tout en améliorant significativement son apparence générale. Cette huile s'applique par le biais de massage et il est préférable de la laisser agir toute la nuit. L'aloe vera est une plante nombreuses propriétés bénéfiques pour votre santé et plus particulièrement celle de votre peau. En effet, elle aidera votre peau à résorber ses cicatrices, réduire l'inflammation tout en lui apportant hydratation et douceur. Pour suivre ce traitement, il est nécessaire d'extraire la pulpe des feuilles d'aloe vera chaque soir et d'en appliquer une petite quantité sur la peau afin de profiter des bénéfices de cette plante miraculeuse. Le mieux est encore de laisser agir une vingtaine de minutes puis de rincer abondamment à l'eau tiède. Le bicarbonate est un traitement très efficace pour diminuer naturellement les taches et les cicatrices sur la peau. En effet, ce dernier agit comme un exfoliant aidant ainsi la peau à éliminer les impuretés tout en maintenant les pores propres. Pour faire cette exfoliation à base de bicarbonate, il vous suffira d'humecter un peu de bicarbonate et de le passer sur votre peau à l'aide d'un massage, laissez agir ce traitement 10 minutes puis rincez à l'eau froide. Vous pouvez réaliser ce traitement 2 fois par semaine maximum. L'huile de pépins de raisin. L'huile de pépin de raisin est très riche en antioxydants, faisant d'elle un élément protecteur pour la peau très efficace qui agit sur les radicaux libres et évitant ainsi le vieillissement des cellules. Cette huile peut être utilisée comme exfoliant et est très efficace sur les cicatrices.